faire une proposition de loi de contre-modèle au modèle forestier existant et proposer un modèle qui législatif sur forêt bien commun. Donc aujourd'hui, on est avec l'intersyndicale ONF et on vous remercie grandement d'être là. Donc il y a Philippe Canal, David Druyen et Thierry Gaspard. Donc merci d'être là. Je vais vous laisser faire un propos introductif. Bon, en ce moment, on parle beaucoup de l'Office national des forêts, on parle beaucoup de démantèlement de l'Office national des forêts, des souffrances aussi que ça opère sur les forestiers. Et puis on parlera un peu plus largement aussi de tous les salariés de la forêt, pas seulement ceux de l'Office national des forêts. Donc je vais vous laisser faire une introduction et puis après on fera un système de questions-réponses. Et encore merci d'être ici. Je ne sais pas qui veut commencer. Ben moi alors. Alors, allons-y. Désigné volontaire. On se présente un peu ? Ouais, vas-y. Voilà, donc déjà David Druyen, délégué central adjoint pour le syndicat CGT-FNAF des ouvriers forestiers et droits privés de l'ONF. Et plus simplement, ouvrier forestier, séviculteur polyvalent, c'est comme ça que ça s'appelle, sur ma fiche de paye, dans l'équipe d'Annecy en Rhône-Alpes. Donc merci de nous recevoir. Car je vous cache pas que sur le terrain, il y a une grosse attente de la part des salariés. Avec tout ce que vous savez, vous, et tout ce que sur le terrain, l'ouvrier, le bûcheron, le séviculteur et les lagueurs ont du mal à percevoir, ce qui est normal. Ils ont la tête dans le guidon, ils font leur métier. Il y a une grosse angoisse sur le devenir de l'ONF, une grosse angoisse aussi sur le devenir du métier, car à l'ONF, on peut considérer qu'on est en forêt, pas par hasard, mais qu'on a choisi d'être forestier à l'ONF avec certaines valeurs, le respect de la forêt, le respect du service public. Et ce n'est pas un hasard, on n'est pas entré à l'ONF parce qu'on a vu de la lumière. Tout ça fait qu'il y a un climat... vraiment de malaise et mal-être à tous les niveaux, chez les droits privés, chez les camarades fonctionnaires aussi, mais en plus sur le terrain, c'est vraiment perçu ou mal perçu, c'est vu de très loin. Donc notre but ici, c'est d'expliquer un petit peu les enjeux de terrain et aussi par rapport aux rumeurs de filialisation. Ce que ça peut engendrer dans les mentalités, aussi peut-être même le stress de terrain, d'où certains accidents de travail quand on voit les chiffres en ce moment. Donc nous, on est là pour amener notre petite participation pour que vous compreniez ce qui se passe en effet zoom sur le terrain. Voilà. Mais tout est lié, hein. C'est-à-dire que on part du principe que l'ONF, c'est la partie visible de l'iceberg. Et après, il y a tout ce qui est forestier de droit privé, entreprise forestière ETF. Et là aussi, on a un regard dessus en tant que syndicaliste. Et on se croise aussi sur les parcelles, vu qu'on est mis en concurrence. Moi, je vais m'arrêter déjà pour cette petite présentation. Voilà, et après on pourra développer plus sur nos revendications, nos propositions, car on est venu avec des propositions et des revendications qu'on ne cesse de faire depuis une dizaine d'années. Une partie d'entre elles ont été abandonnées par notre direction, mis sous le tapis. Et donc, on va revenir à la charge et avec nos idées et on va vous expliquer tout ça. Super, merci. Donc, moi, je suis Thierry Gaspard, représentant syndical au comité central de l'ONF et ouvrier forestier. Bûcheron reclassé en sylviculture suite à plusieurs accidents de travail avec 17% de la capacité. Bientôt 55 ans. Et bon, nous, on pense qu'au niveau des travaux forestiers, il y a des pressions qui ne sont pas tolérables. C'est un métier qui est très dangereux immédiatement au niveau bûcheronnage,
qui est très usant au niveau sylviculture. La sylviculture, je pense, si vous voulez, je vous éclaire un peu, c'est le... Alors ça, c'est fort. La sylviculture, en fait, c'est, le, c'est les travaux qu'il faut qu'on peut obtenir la forêt que l'on désire avec les essences que l'on désire. Bon, ça comporte des travaux de plantation, de dégagement, de dépressage qui sont aussi très usants. Il y a des inaptitudes assez fréquentes. Les gens sont usés par les gestes répétitifs, les maladies professionnelles sont légion. Et bon, bah, de tout ça, nous, le constat qu'on découle, c'est que par rapport à l'ONF et l'éclatement de l'établissement, on considère que la filialisation est une très mauvaise chose, parce qu'à la limite, c'est une attitude soit inconsciente, soit limite criminelle de livrer à la concurrence des gens qui exercent des travaux dangereux. Hein, pour bûcheronner ou bien travailler, il faut quand même être à peu près calme. Des choses comme ça, dans la précipitation, bah, ça amène des accidents. Il y a encore eu un décès à l'ONF d'été Lorraine vendredi, personne de 47 ans. Il aurait peut-être été mieux à un autre poste, reclassé à Lyon, je pense. Dans une ETF privée, toujours dans mon secteur, il y a un gamin qui s'est pris une perche sur la tête, qui a eu un œdème cérébral. Bon, le pronostic vital n'est pas engagé, il remarche, mais bon, il y a un pied qui ne fonctionne plus. Donc on considère que dans le secteur, et ça c'est une ETF, hein, ce n'est pas ONF, hein, le jeune homme, on considère qu'il y a une grosse carence au niveau formation. Il y a, bon, ben, comme dans tout secteur, on embauche très peu. On laisse un minimum de personnel à faire des trajets très longs, ce qui génère encore plus d'accidents de la route. On sait très bien que la classe ouvrière est souvent... les pourcentages d'accidents de la route, c'est eux qui les ramassent, hein, majoritairement. Donc il y a ça sous formation, pas d'embauche. Il faudrait, à notre avis, rétablir une chose qui existait avant. C'était des commissions d'assujettissement. Une personne ne pouvait pas se mettre ETF sans passer devant une commission mixte où les employeurs, le main-d'œuvre était représenté. Comment t'appelles ça ? Une commission d'assujettissement. Où les employeurs de main-d'œuvre, comme les syndicats de salariés étaient représentés, et, bon, par contre, des vrais professionnels. Et qui pouvait statuer sur un dossier de quelqu'un qui voulait se mettre à son compte, son niveau de formation, d'équipement, de viabilité de son entreprise. Et ça, ça existait avant ? Ça existait avant, ça a été supprimé. Et là, je ne pourrais pas te dire en quelle année. Moi, je sais qu'il y a un de mes anciens collègues délégués qui... J'ai participé. Ouais, donc, peut-être, je dirais 10 ans maximum. Ouais, c'est ça. Une dizaine d'années. Voilà. Et dans les pistes, pareil, si vous faites des propositions de loi, je pense qu'il y a vraiment un truc à supprimer, c'est les notions de travail à la tâche ou au rendement dans des secteurs comme celui-là. Et quand je dis ça, sous toutes ses formes, parce que dans certaines entreprises, notamment la nôtre, c'est un épique, hein, c'est un établissement, excusez-moi d'avoir dit entreprise, ils ont, certaines personnes sont payées à l'heure, mais on leur propose, sur la base du volontariat, d'acheter leur matériel d'exploitation, c'est-à-dire tronçonneuse, essence, ils fournissent tout, quoi, les mecs, et ils ont un petit ratio de paye supplémentaire qui est en rapport avec le volume de bois qu'ils ont exploité. Donc c'est finalement du travail au rendement déguisé. Donc toutes ces choses-là, je pense que ça devrait être supprimé. Qu'il devrait y avoir des salaires décents, parce que là, les gens rentrés qualifiés en forêt sont payés au niveau du SMIC, autrement. Ce qui les pousse pour certains justement à acheter leur matériel et à travailler plus pour compenser le maigre salaire qu'ils ont. Quoi. Et ça c'est pour l'ONF, nous dans notre idée, bon bah déjà pas de filialisation comme c'est le cas du secteur des travaux. Et pour être plus ambitieux, nous on considère que les ouvriers forestiers de l'ONF doivent avoir un statut de fonctionnaire. Comme ça au moins il n'y aurait plus de pression au rendement. Et autres. Voilà, s'il y a d'autres questions, me le dites. Merci beaucoup. Donc, Philippe Canal, moi je suis donc forestier en Bourgogne, chef de projet aménagement et représentant des personnels de l'ONF. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que secrétaire général
de mon syndicat. Les autres membres, enfin certains autres membres de l'intersyndicale ont tenu à ce que ce soit clair, et puis c'est bien, c'est de la liberté sur les propositions aussi. On vient d'entendre les deux collègues, ce qui se passe à l'ONF depuis des décennies maintenant, c'est la transformation d'un service public en une entreprise de type privé. Et à l'arrivée, les variables d'ajustement, ce sont les hommes, les femmes et la forêt. On vient de l'entendre pour les hommes et les femmes, les camarades ouvriers forestiers. Hein. Donc un raisonnement d'entreprise, de plus en plus, et de la pénibilité donc pour tous les gens qui y travaillent. Juste pour donner un ordre d'idée, les ouvriers, il y en a 8000 à l'ONF en 1985, il y en a 3000 aujourd'hui. Et pour le secteur public, il y en avait 7700, il y en a 5000 aujourd'hui, quoi. Voilà. Par contre, le travail, lui, n'a pas diminué. Ce qui s'accroît, c'est les déplacements, la pénibilité, les semaines à rallonge, les conditions de travail de manière générale. Et ce raisonnement d'entreprise qu'on essaye de substituer à une culture de service public dans l'intérêt général et dans le respect des gens qui travaillent, une culture d'entreprise privée qui est centrée sur son propre intérêt. Et tant pis pour ceux qui y travaillent, et tant pis pour l'objet même de l'établissement, à savoir aussi la forêt dans un certain nombre de cas, quoi. Voilà ce qui est en train de se passer à l'Office national des forêts, qui a été placé dans une situation financière catastrophique. On est un peu sur les mêmes mécanismes que la SNCF. Par un certain nombre de décisions, on creuse un déficit qui est très important. Enfin, nous, on ne l'appelle pas déficit, nous, on l'appelle défaut de financement des missions. Alors, on n'est pas une entreprise, un service public n'a pas vocation à faire des bénéfices ou à avoir des déficits. Et ce déficit, donc, comme l'appellent nos dirigeants, finit par justifier des mesures brutales. Là, on est dans cette période-là d'arbitrage gouvernementaux. La filialisation a été abordée. Aujourd'hui, ce serait apparemment arbitré. Ça revient à placer 40% des personnels de l'ONF dans une filiale. Et on sait ce que deviennent les filiales ailleurs dans le monde du travail. Tout de suite, c'est déjà des logiques d'entreprises privées à la dure. Voilà, malheur aux faibles, et tant pis pour les salariés, notamment sur des métiers ultra dangereux, les plus dangereux du monde du travail, bûcheronnage. On est dans cette période-là en ce moment. C'est pour ça qu'on est tout à fait intéressé à faire des propositions dans le cadre de ce projet de loi. Merci. Donc vous avez dressé un premier portrait. À l'instant, tu disais, Philippe, très justement, dans ce qui transparaît dans ce que vous disiez, à la fois la souffrance que ça crée. L'enjeu des forêts, c'est aussi un enjeu social extrêmement fort, avec effectivement des métiers qui ont une pénibilité très forte, des accidents de travail, des niveaux d'espérance de vie qui sont incroyables lorsqu'on les regarde. Si je me trompe pas, un bûcheron, c'est, je crois, une espérance de vie en bonne santé de 52 ans et demi. Donc c'est terrible. Une espérance de vie, pas en bonne santé, mais l'espérance de vie, comme on la calcule, qui est de 10 ans inférieure à celle du reste de la population française. Donc c'est vraiment très important. Si on peut d'abord revenir sur ce que ça fait. Donc on disait que ça fait souffrir les hommes et les femmes qui travaillent en forêt, et ça fait souffrir aussi les forêts. Si on peut commencer par la filialisation, vous en avez tous parlé. Qu'est-ce que ça va créer, le fait de ne plus avoir un service public forestier? Notamment, on a déjà fait une audition avec deux maires qui nous disaient que sans service public forestier, ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir, comment ils allaient avoir... ils avaient besoin de l'expertise publique pour pouvoir gérer ces forêts-là. Est-ce que vous pouvez me donner votre opinion sur cette chose-là? Et puis, vous avez dit sur la filialisation, mais comment ça se passe aussi? Comment vous êtes informé de ce que le gouvernement fait? Est-ce que c'est seulement par la presse? Que vous me disiez un petit peu comment ça se passe déjà de ce côté-là, et puis après on ira un peu plus loin sur les questions de pénibilité,
et des choses qui sont mises en place justement et qui devraient être mises en place pour faire en sorte que les hommes et les femmes soient plus respectés dans le travail qui est fait. Ok. Je te laisse. Oui, ben le service public forestier aujourd'hui, il s'occupe de 4,5 millions d'hectares de forêt. Hein, c'est, on va dire, un quart des forêts françaises. Et ça permet de mettre en place une gestion dans l'intérêt général qui tente de concilier le mieux possible pour toutes les forêts les fonctions de production. Les fonds, donc production de bois, alimentation d'une filière qui représente 400 000 emplois. Hein. Donc là, on est bien dans le social qui, année après année, amène une matière première qui permet tout ce travail-là, qui est principalement de l'emploi dans le monde rural. Les fonctions environnementales. Fonction environnementale, donc on est sur la protection de l'eau potable, la fixation du CO2, donc l'amortisseur climatique, on est sur le paysage, la biodiversité, tous les grands enjeux de l'époque. Et c'est quand même dans les forêts publiques, avec un service public, que ces fonctions-là sont le plus développées. Donc dans l'esprit de la forêt nous protège, protégeons-la. Voilà. Réciprocité. Et les fonctions sociales, donc... Qui vont de l'accueil du public, hein, c'est 700 millions de visites annuelles, les forêts, et c'est principalement en forêt publique qui sont ouvertes au public toute l'année. Et c'est aussi, la sensibilisation, l'éducation à l'environnement. Nous, on déplore qu'il y en ait de moins en moins, puisqu'on est de moins en moins nombreux, mais c'est le meilleur investissement à long terme pour protéger... La forêt, la nature, l'environnement, c'est quand même la sensibilisation. Ça, vous le faisiez beaucoup plus avant. Ah oui, moi j'ai démarré en 95. C'est clair que c'était les sorties avec la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, les classes rousses, les classes vertes, le centre social, quasiment chaque année. Mmh. Et on était très nombreux sur le territoire à faire ce travail-là. À part qu'avec les réductions d'effectifs dont on a parlé... Aujourd'hui, il y a une sortie par an pour l'école communale et tout le reste est devenu payant. Donc, pour la plupart, c'est des centres sociaux qui ne peuvent pas payer. Bien donc, tout ce travail-là, tout cet investissement de sensibilisation des générations actuelles et futures n'est plus fait. Donc, un service public, c'est quand même ça. Et c'est vrai que demain, un raisonnement d'entreprise, on le voit nous au quotidien, de plus en plus, ce qui compte, c'est de générer du kilomètre cube, du kilo euro, et tout le reste, tout ce qui ne rapporte pas directement, qui ne contribue pas à la survie immédiate de l'établissement public, est de plus en plus négligé et finit par passer à la trappe. Donc les conséquences, c'est quand même un grand nombre de communes forestières en France, c'est 11 000 communes forestières, sur les 36 000 que compte notre pays, des communes dans la grande majorité ultra-rurales qui ont vu partir tous leurs services publics. Et le service public forestier, c'est de la présence physique, c'est du conseil. Ça règle un grand nombre de problèmes. C'est une prestation intégrée qui va, de la conception, la proposition de gestion jusqu'à la réalisation. Hein. Et à partir de là, comme vous avez pu l'entendre chez un certain nombre de maires de communes forestières, il y a un fort attachement à ce service public, parce que c'est du service au quotidien, c'est de l'expertise, et dans une partie du pays, c'est quand même un plus économique. Un service public qui réfléchit son action non pas par rapport à son intérêt propre comme une entreprise, hein, ce qui est honorable, mais qui réfléchit bien son action... par rapport à toutes les conséquences positives. Ça part des écoles, des générations futures, du propriétaire, de l'emploi, de la scierie du coin, l'aménagement du territoire, régler les problèmes de chasse. C'est quand même... Il y a un nombre d'acteurs très, très importants autour de la forêt et le service public permet de tirer tout ça par le haut. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les forêts publiques, si on parle de production de bois, c'est 25% de la surface, c'est 40% de la production en volume, de l'approvisionnement de la filière,
Et en valeur, c'est très au-dessus des 60%, puisqu'on va y retrouver, et c'est normal, on n'est pas meilleur que la forêt privée, mais il y a eu des politiques publiques de long terme, du travail de génération de forestiers, tous les produits haut de gamme, c'est-à-dire où là, il y a vraiment l'emploi et la plus-value, ce qui enrichit la collectivité, sortent des forêts publiques, parce qu'il y a des politiques et un service public depuis des siècles maintenant. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose, Seth ? Oui. Sur, alors, déjà, sur un constat, moi, je suis chaque fois un peu surpris et effaré qu'à l'heure de la pseudo-écologie, les gens, bien sûr, quand ils voient les pays africains, quand ils voient ce qui se passe en Amazonie, se rendent pas compte de ce qui se passe à deux pas de chez eux. C'est-à-dire que soit on met en place des politiques gouvernementales qui gère les espaces naturels, qui gère la forêt communale, la forêt publique et voire la forêt privée aussi. Et soit on ne fait rien, mais à un moment donné, les moyens financiers, faut qu'ils arrivent. Le constat est que s'il y a l'ONF en tant que quantité, si jamais on supprime l'ONF, qu'est-ce qu'on met à la place ? Voilà. Si on réduit les moyens de l'ONF, d'accord, qu'est-ce qu'on va mettre à la place pour que les forêts, à long terme, soient gérées ? Et quand je dis forêt, il n'y a pas que le bûcheronnage, la sylviculture, la plantation. Il y a aussi tout ce qui est, ce que les gens ont du mal à voir et ce qui est de la gestion, par exemple, les incendies de forêt. Mmh. Voilà. Dans le sud, on a des patrouilles de DFCI, de forestiers qui sont là dès les premiers feux et qui sont coordonnés avec les pompiers, les canadaires, et voilà. Donc, en amont, on a un rôle sociétal qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vente de bois, il n'y a pas que la coupe, il y a tout, il y a en amont tout ce qui est entretien. La forêt, c'est sur une centaine d'années pour nous, déjà, minimum. C'est pas 20, 30 ans. Et donc, je suis effaré que les gens, quand ils se promènent en forêt, quand ils parlent de la forêt, ne réfléchissent pas que derrière, il y a des petits bonhommes. Il y a du personnel qui, depuis des centaines d'années, mettent en place des politiques forestières à long terme. Voilà. Donc, un exemple concret, on dépense des millions d'euros pour faire des pistes forestières. Si ces pistes forestières ne sont pas entretenues régulièrement, même si il y a de l'argent pour les faire, en 10-20 ans, la piste forestière, vous pouvez recommencer à la tracer. Les barrages, tout ce qui est des barrages des torrents, ça c'est pas visible à l'œil nu, mais il faut savoir que la plupart des vallées de montagne, il y avait depuis un siècle la restauration des terrains de montagne, RTM, et c'est l'office aussi qui gère ça, qui est mise en œuvre pour curer les renvois d'eau, ce qui permet de canaliser l'eau quand il y a des débordements. Pourquoi il y a de plus en plus d'inondations? Pourquoi il y a de plus en plus de dégâts des eaux, des terrains qui emportés? C'est parce que en amont, ce n'est plus entretenu. Mmh. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'en plus, ce que dit David, c'est ce qu'on appelait clairement, c'est les missions d'intérêt général. Donc celle-là, si on les délaisse, qu'est-ce qu'on fait de l'intérêt général au bout du bout? Là, j'ai vu récemment une proposition au comité central où ces missions d'intérêt général étaient effectuées par les ouvriers forestiers, payées à peu près normalement, je dis. Et là, ce qu'on propose, c'est finalement ces missions d'intérêt général soient plus ou moins faites par les gens qui effectueraient leur service civique. Oui, d'accord, okay. Ah, voilà, donc autrement dit, une introduction du bénévolat. Voilà. Donc ça pose le problème aussi de la formation. Qui dit mettre des gens du service civique, c'est qui va s'en occuper, qui va les former. On exige de notre part d'être professionnel et d'être spécialisé maintenant. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de contradictions. Merci. Donc ça, c'est hyper intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer, parce que du coup, on voit bien le fait de la réduction des effectifs. Qu'est-ce que ça crée? Ça fait que vous êtes obligé d'abandonner ou de moins bien faire des missions d'intérêt général.
ça fait une perte de sens aussi chez les ouvriers forestiers, les agents, parce que forcément, quand tu disais tout à l'heure, on n'est pas venu là parce qu'il y avait de la lumière, donc ça fait une perte de sens. Et puis surtout, une des choses qu'on voit autour de la question des forêts, c'est qu'il y a une question de long terme qui est très importante. Donc si on remet ça dans un objectif de court terme avec des objectifs de rentabilité en oubliant le reste, du coup, bon, il y a quand même un abandon qui est dommageable pour tout le monde. Pour revenir plus spécifiquement sur les conditions de travail, donc vous avez dit mise en concurrence, la mise en concurrence sur des métiers déjà très dangereux, ça crée forcément des accidents supplémentaires. On sait aussi à l'ENF qu'il y a eu de nombreux suicides malheureusement. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes de prévention sur les questions de santé et quelles sont les revendications que peut-être vous portez sur ces questions-là? Voilà, si vous pouvez nous expliquer aussi sur ces sujets-là, je ne sais pas si... Sur... Tiens. Voilà. Sur les métiers d'ouvriers forestiers, que ce soit sylviculteur ou bûcheron, comme je disais tout à l'heure, bon, ben, nous, les propositions, déjà, ce serait des embauches suffisantes, de manière... parce que tout à l'heure, quand Philippe parlait d'effectifs, moi, quand je regarde, je suis lorrain. Dans les années 80, il devait y avoir plus de 350 ouvriers forestiers rien que sur les Vosges. Là, pour le côté ouest du Grand Est, qui comprend la moitié des Vosges, la moitié de la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, l'Aube, Marne, Champagne-Ardenne, on est exactement, on doit être quelque chose comme 380 ETP. Donc, on peut dire comprendre. Du travail, il y en a toujours autant. Donc, les distances pour se rendre et revenir des chantiers s'accroissent, comme on disait tout à l'heure. Du coup, le risque routier, ouais. N'en déjà, parlons ça pas. Ça baisse un risque d'embaucher. Voilà. Les formations sont, je dirais, ouais, elles sont insuffisantes. Il ne faut pas se leurrer. Tu peux nous expliquer c'est quoi actuellement la formation, combien de temps elle dure Alors, les formations, il y a plusieurs façons de former ou d'accueillir des gens. Il y en a qui peuvent sortir d'une école de bûcherons et qui auront fait un apprentissage par la voie classique, qui auront été en entreprise. Il y en a qui peuvent... moi, j'étais forestier, mais j'avais passé mon BPA, donc brevet professionnel agricole pour adultes. Moi, c'était la voie formation adulte. Et il y a des... Autrement, ils peuvent demander pour un ouvrier forestier un BTS. Tout simplement. Après, on a eu un cas d'une personne, maintenant il y a un recours massif à l'intérim. Alors là, ça pourrait paraître drôle, mais c'est pas drôle du tout. On a eu un intérim qui a été mis dans notre équipe, qui venait de Paris pour la petite histoire, mais bon, ça c'est... Il est embauché sylviculteur intérim, ce jeune homme. Et quand il est venu sur un chantier avec nous, il m'a demandé où il mettait l'essence dans la tronçonneuse. Autrement dit, il ne s'était jamais servi d'une tronçonneuse. Bon, donc nous, on a fait en sorte qu'il ne reste pas, parce que... On a réussi à quand même altériser dans un atelier bois pour qu'il finisse son truc, quoi. Mais là, il y a vraiment... mais c'est même plus un problème, quoi, ce stand-là. c'est vraiment dangereux pour les personnes. Quoi. Voilà. Oui, sur le sujet de la formation, il y a quand même un problème. Je parlais tout à l'heure du service public, à quoi il sert, les conséquences. C'est que l'ONF a une telle perte d'effectifs qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de régions, ils refusent de prendre en apprentissage les jeunes qui se destinent au bûcheronnage. Donc, vous avez des apprentissages qui se font dans des petites entreprises, souvent unipersonnelles, privées, où déjà, on n'est plus dans le respect de la réglementation, on n'est plus dans le respect des horaires, parce qu'il faut juste survivre financièrement. Donc, quand on parle d'accidentologie, c'est clair que ça commence aussi par là. Et pour nous, c'est le rôle d'un service public comme l'ONF, de prendre des apprentis, surtout sur ce genre de métier-là, dangereux, qu'ils apprennent correctement le métier et qu'ils améliorent leur espérance de vie tout court et qu'ils se massacrent pas au travail, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus qui est assez particulier. Si vous lisez le projet d'établissement de l'ONF, vous apercevez que c'est vrai, moi l'idée est qu'on forme les apprentis mais qu'on les garde. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit... Les ouvriers forestiers, on est en agence travaux, donc on est déjà plus ou moins sur le concurrentiel.
Et on nous impose des fois de prendre des apprentis, mais c'est tout simplement pour que la formation soit payée par l'ONF, des fois ça arrive ça. Et les mecs en fait ils sont reversés dans des entreprises privées. Ça je trouve que dans le modèle économique actuel c'est pas ça quoi. Hein, pour la formation, pour les bonhommes, on est bien d'accord qu'on a une meilleure formation à l'ONF, mais qu'on garde ces apprentis qu'on a formés au sein de nos agences travaux. Et en termes de suivi médical, il y a des choses spécifiques qui sont mises en place? Alors, comment je vous dirais, c'est sûr qu'avant, on était plus ou moins considérés dans la tranche des travaux pénibles. Donc on avait un suivi médical renforcé, c'est-à-dire que les ouvriers forestiers passaient une visite du travail une fois par an. Maintenant, avec les nouvelles règles, le suivi médical renforcé a été supprimé et on passe une visite médicale tous les 3 ans, comme tout le monde. Voilà. Oui, aujourd'hui, il faut savoir que quand même, médecine de prévention et MSA, c'est des services en ruine. Il y a des organigrammes et plus personne derrière. Pour les fonctionnaires, dont une grande majorité sont quand même assermentés et armés, il y avait une visite médicale chaque année. On porte une arme. Aujourd'hui, on en est à une visite médicale tous les 5 ans, quand elle a lieu tous les 5 ans. Alors que sont montées quand même lors de la dernière décennie quand même toutes les problématiques de souffrance au travail, de suicide, de gens qui vont mal, de burn-out. Mais le suivi médical est plus du tout à la hauteur parce que ces services-là, qui sont des services publics, sont eux-mêmes en ruine, quoi. À un moment donné, on a même évoqué, nous on avait proposé à notre direction d'embaucher des médecins pour faire les visites annuelles, puisque enfin, c'est pas le boulot de l'office à la limite, mais au bout d'un moment, c'est pas acceptable qu'il y ait un suivi médical si faible. Hein. Et donc, vous confirmez que suite à la souffrance au travail qui en tout cas explose, ou en tout cas se voit de plus en plus, il n'y a pas des mesures spécifiques qui ont été mises en place pour prévenir ça, quoi. Oui, on a des mesures comme un numéro vert, voilà. Par exemple. Un numéro d'écoute. Voilà, le nombre d'assistantes sociales a été doublé, on va être précis. Il y a eu des référents santé et sécurité au travail de nommer dans un certain nombre de territoires. Mais tout ce qui crée, tout ce qui génère la souffrance au travail, à savoir les surcharges de travail, les longs déplacements tous les jours, tout ce qui use, tout ce qui va être la perte de sens, tout ce qui va être l'instabilité permanente. On a fait un boulot là au niveau de l'ONF, un peu unique dans la fonction publique. Ça a été dans tous nos territoires des expertises agréées sur les conséquences des suppressions de postes. Tous les experts agréés par le ministère du Travail ont conclu à un besoin impératif, c'était un besoin de stabilité. Là, il fallait arrêter de changer tous les 4 matins. Les gens n'en pouvaient plus. Les gens étaient au bord du précipice. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est que rien n'a changé, quoi. On est toujours dans l'instabilité. Donc après, on est dans de la prévention à la limite tertiaire. On va dire, mais ce qu'il faut, c'est la prévention primaire. Il faut quand même arrêter tout ce qui génère la souffrance au travail, que ce soit pour les salariés comme pour les fonctionnaires. Oui, je ajoutais que aussi, force est de constater que le mot pénibilité a été gommé de plus en plus. Il y a encore 8 ans, on était... Parce que Macron dit qu'il n'y a pas de travail pénible, apparemment. Bah, on essaiera de traverser la rue, alors. Mais, non, ou la rivière, mais on... Non, mais c'est force est de constater qu'avant, on était conviés à des pseudo-négociations où on nous abreuvait de pénibilité, que ça soit au Grenelle de l'environnement, on en parlait même partout. Et là, maintenant, pénibilité, on en parle à peine, à peine. Et c'est comme ça qu'on a pu nous peser avec la pénibilité qui avait été reconnue pour les ouvriers forestiers de l'ONF, qu'on a pu peser sur la filière. Parce que quand on obtient quelque chose à l'ONF, ça, c'est l'effet cascade. Pour la profession, on tire la profession vers le haut. Donc plus à l'ONF, on est capable d'avoir des bons accords, plus après dans la filière, bien sûr, c'est l'effet cascade. Et donc on a pu obtenir à une époque, grâce à ce mot pénibilité, à cette idée qui était défendue par les syndicats et on était amené à négocier là-dessus,
La retraite progressive, la carrière longue pour ceux qui avaient fait toute leur carrière à l'ONF. Et on nous avait fait miroiter aussi à une époque des reclassements. Arrivé 45 ans, à 45 ans, on est considéré comme senior à l'ONF. Et donc, on était censé être classé dans des tâches moins pénibles de terrain, conducteur de travaux, ou même être en apport aux agents, voilà, aux techniciens forestiers. Et tout ça, maintenant, on se demande où c'est passé. Voilà. Donc, il y a des mesures simples pour nous de rétablir une retraite progressive à 55 ans, une carrière longue, et voire même plus tôt. Parce que quand on voit vos chiffres, nous, on en était resté bêtement à quelques années. Il y avait une ONG américaine qui avait tablé sur 68 ans. Okay. On décédait à 68 ans. Bon, c'était cool encore. Là, maintenant, 52 ans, c'est ça ? En bonne santé. Non, c'est bonne santé. Ouais. Bonne santé ? D'accord. Bonne santé. Et alors, 62, je crois. Voilà. Et le décès, maintenant, il est moyen, vous ne le savez pas, non ? 62. 62, voilà, 62. Donc, les chiffres, ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte à longueur d'émissions de radio, que chez les ouvriers, en général, on vit plus vieux, hein. Voilà, il y a des meilleures conditions, on est d'accord. Donc tout ça, nous, c'est très simple. On a une vision très simple du problème. Et ben, si l'ouvrier forestier veut vivre plus longtemps, si on veut arrêter les accidents, voilà, retraite à 55 ans. Car je vous promets que si on maintient les gens au-delà de 60 ans en forêt, moi, je demande à ceux qui vont faire ces lois, qui vont nous obliger à aller en forêt, de venir avec nous. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je les invite sur les parcelles. Que ça soit pour les droits privés ou les droits publics, si on repousse la retraite, moi, je les invite à venir. Hein. Il n'y a pas de problème. Oui, donc la pénibilité, elle est plus à démontrer. Ce qu'on dit souvent, c'est que les accidents, ils arrivent en fin de journée et fin de semaine. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, aux fins de journée et aux fins de semaine. Les semaines sont certainement trop longues, vu la dureté du métier. Et en tout cas, la vie de travail, elle est trop longue. Quand on est sur de telles statistiques, ça pose des questions de formation à parler, déjà, qui est pas du tout suffisante. Hein. On envoie des gens au casse-pipe, littéralement. Vous, la revendication exacte sur la formation, c'est... Vous avez une revendication unifiée dessus ou non ? Une formation initiale obligatoire avant d'accord. de prendre une tronçonneuse. Et donc ça passe aussi par les commissions d'assujettissement qu'ont été évoquées, qu'à un moment donné, avant de prendre une tronçonneuse et de commencer à battre des arbres, qu'on soit assuré qu'il y ait une formation. Voilà, donc ça c'est la formation, mais je parlais des fins de journée et des fins de semaine. De toute manière, ça justifie dans les... Alors la difficulté un peu de ce monde-là, du bûcheronnage, des travaux forestiers, notamment dans le privé, c'est que c'est des entreprises unipersonnelles, des gens à leur compte, quoi. Hein. Donc avec la LAF 2014, on avait obtenu le retour à l'ONF de la cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans, ce qui permet d'arrêter de travailler et de toucher ce que tu toucherais à la retraite en attendant l'âge de la retraite, hein, qui avait été introduit par la loi forestière de 2001 et supprimé à l'ONF à l'occasion de la réforme des retraites de 2011. Ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher, mais quand tu licencies des centaines de gars que t'as usés et que tu les envoies à la casse, enfin, c'était pas acceptable. Le Parlement nous a donné en 2014 gain de cause sur ce point-là. Mais alors, d'une part, quelque part, c'est insuffisant. Je veux dire, quelque part, c'est la retraite à 55, voire à 50, ou en tout cas, un sujet à l'ONF sur les emplois de fin de carrière. Voilà, qu'on dise il faut travailler plus longtemps, c'est difficile à avaler, nous on préférerait partager les richesses. Mais
qu'au moins on traite ce sujet des emplois de fin de carrière. À l'ONF, nous, en tant que premier syndicat chez les fonctionnaires, on a toujours défendu que, de toute manière, l'ouvrier, comme le fonctionnaire, fait l'intérêt général puisqu'il fait la forêt de demain, et qu'à partir de là, tout le monde devrait être fonctionnaire. Et on n'a pas les mêmes pénibilités, hein, chacun a les siennes, mais quand même, on s'aperçoit que quand on est fonctionnaire et qu'on a des pépins, on trouve toujours des solutions de reclassement. Chez les ouvriers, c'est la porte, quoi. Parce que c'est le monde du privé, c'est tout. Ils sont salariés de droit privé. Tu peux plus bosser, c'est dehors. Voilà, donc qu'ils soient fonctionnaires, et même si on ne va pas jusque-là, c'est peut-être idéaliste, on n'en sait rien, mais bon, nous, c'est ce qu'il faudrait, ça justifie. Donc on le revendique, mais que pour tous les ouvriers de l'ONF soient prévus des emplois de fin de carrière. On a fait des propositions dans ce sens-là, à savoir que, passé un certain âge, ils commencent à se former avec les équipes de gardes forestiers sur le terrain, et puissent accéder à un concours, et sur une deuxième partie de carrière, qu'ils exercent le métier de garde forestier avec des postes qui leur seraient proposés dans leur zone géographique. Hein, on n'est pas mobile à 45 ans comme on l'est à 25. Voilà, ce genre de proposition a été fait à la direction. À part qu'aujourd'hui, elle remplace des fonctionnaires de terrain par des salariés, mais par des salariés qui viennent de l'extérieur et qui sont des jeunes diplômés. Donc ça résout en rien les problèmes de fin de carrière des quand même 2500 ouvriers de l'Office national des forêts. Et au-delà, donc, pour ce qui est le monde des ETF et des bûcherons dans le privé, c'est clair que, vu que ce n'est pas des entreprises structurées avec un patron, des syndicats en face, et que des gens à leur compte, il n'y a guère que le sujet de la... Il n'y a guère que le sujet de l'âge de la retraite. À partir duquel tu peux faire valoir tes droits, et on va dire aussi les modes de rémunération. Exactement. Les modes de rémunération, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... c'est un monde très désorganisé, alors qu'il a été syndicalement structuré avant tout le monde. Hein, le monde des bûcherons, hein, dans l'Allier, hein, il y a tout un historique. C'est là que quasiment le syndicalisme français a démarré. Et aujourd'hui, vu que c'est que des gens à leur compte... Il n'y a aucune structuration. Par contre, les gens en face sont structurés. Et il y a une entente sur les tarifs pour toujours tirer pour plus bas, la mise en concurrence avec le travail détaché. Dans ce pays, il y a un salaire minimum. Comment se fait-il qu'il n'existe pas pour les professions les plus dangereuses que sont les bûcherons ? Exactement. Voilà, c'est aussi court que ça, quoi. Attendez, j'avais une question que je m'étais notée quelque part. Sur la couverture sociale des bûcherons et des entrepreneurs, c'est comment ça se passe ? Spécialiste. Oh, spécialiste, non, c'est vrai. C'est-à-dire que des fois, ça peut être très différent, puisque maintenant, chaque entreprise doit proposer une mutuelle à ses salariés. Et ça fait l'objet de négociations. Bon, sur la base, que ce soit des bûcherons, des ouvriers forestiers, bûcherons de l'ONF ou des ETF, on est cotisant MSA. Hein, ça, y a pas de... Donc le socle de base est le même. Par contre, après, chaque employeur peut adhérer ou non à une mutuelle. Enfin, il peut adhérer à une mutuelle. Mais après, il y a celui qui peut très bien prendre la mutuelle socle de l'ANI, hein, qui avait été signée par la CFDT. C'est-à-dire, c'est un peu le panier de boss, quoi. Et suivant le poids des négociations, bon, là, à l'ONF, on va dire qu'on en a renégocié une qui n'est pas mauvaise. Donc, la couverture peut être très différente suivant l'entreprise. Et je voulais revenir sur une chose. C'est vrai que par rapport à la formation et à l'embauche, je pense que les politiques d'embauche sont très importantes pour la suite de la formation. Parce qu'on peut très bien aller à l'école pour être bûcheron ou sylviculteur. Après, vous ferez un an, deux ans, vous aurez les bases. Et le problème qu'on a rencontré à l'ONF, c'était en fait, il y a des périodes où il y a eu les embauches massives. Donc après, les départs en retraite massifs, avec des trous d'embauche après d'une décennie massifs. Et du coup, on ne peut pas s'appuyer sur ce qui existait avant au niveau bûcheronnage ou sylviculture. Vous veniez avec votre bagage de l'école, mais vous étiez intégré avec ce qu'on appelait des maîtres bûcherons ou des trucs comme ça. Et pendant 4-5 ans, vous bossiez avec des gens d'expérience. Et là, c'est des métiers d'expérience. Donc là, la formation, il doit y avoir une très bonne formation initiale de base.
Mais après, le reste, si jamais il n'y a pas des gens à guérir sur le terrain, qui, petit à petit, vous amène à acquérir l'expérience voulue, je ne sais pas où c'est qu'on va. Quoi. Oui, il y a les moyens de mettre en place des tuteurs, donc le tutorat, des maîtres d'apprentissage, tout ça c'est prévu, c'est réglementé. Donc on a les solutions, si on veut pour qu'il y ait la relève. Après, bien sûr, reste aussi à former les jeunes, d'accord, mais le plus important c'est de les garder dans l'entreprise. Voilà, les garder dans les pics. C'est-à-dire que c'est bien beau pendant plusieurs années de s'occuper d'un apprenti, comme on l'a dit en début de séance. Si c'est après pour le perdre et pas créer les moyens de lui donner un bon contrat pour qu'il puisse rester dans sa commune, dans ses forêts pour développer tout ce qu'on lui a appris à l'école forestière ou l'école de bûcheronnage, aucune entreprise ne se tire une balle dans le pied comme l'ONF en ce moment. Voilà. On forme les gens et à un moment donné, on s'en sépare parce qu'on n'a pas les moyens de les garder et leur faire des bons contrats. Voilà. Donc là-dessus, évidemment que le travail sera fait. Le travail sera fait, mais avec beaucoup moins de personnel. Donc dans ces cas-là, on augmente les rendements, on augmente les déplacements. L'ouvrier forestier, en général, dans son équipe, maintenant, déjà, il appartient plus à une équipe, il appartient à une région. Voilà. Et on peut le faire déplacer. La moyenne, en ce moment, c'est en France, entre 100 et 150 km par jour, les équipes font. Et avant, on avait des grosses équipes sur les mêmes parcelles. Maintenant, on est morcelé. C'est des binômes. Voilà, des binômes ou trois personnes qui sont dispatchées selon les chantiers. Donc ce qui fait qu'on a aussi des gens... avant, il y avait un mélange d'âge. Il y avait les plus anciens, il y avait les plus jeunes. Et alors maintenant, on peut avoir des équipes, des binômes, avec deux jeunes non expérimentés ou alors deux anciens qui se retrouvent à l'autre bout du département. Donc ça aussi, pour nous, ça peut accroître aussi le risque d'accident. Il y a des choses qui sont incompréhensibles et qui peuvent être vite réglées si on nous écoute. Ouais. Ça échappe aux logiques de rentabilité, c'est pour ça que ça pose un problème. Je pense que nos dirigeants le comprennent bien. Ce qu'on évoquait par rapport à l'apprentissage, c'est vrai que ça va vraiment dans des logiques de privatiser les bénéfices, socialiser les pertes. Quoi. Et si je rebondis un peu là-dessus, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, si on nous écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens parlent de la résistance aussi que mènent des forestiers sur le terrain, notamment on parle des objectifs de rendement qui sont délirants. Et du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Déjà, sur la question des effectifs dont on a beaucoup parlé, avec les chiffres vertigineux que vous donnez de baisse d'effectifs, est-ce que vous, dans les revendications, vous avez ciblé un chiffre exact? Est-ce qu'il faut revenir aux années 80, au nombre qu'il y avait? Est-ce que vous avez une revendication précise sur combien de personnel il faudrait en plus? Ça, c'est déjà la première chose, où la revendication, c'est plus de personnel et après à voir combien ça serait. Et la deuxième des choses, c'est qui devrait déterminer ces objectifs est-ce que vous avez des revendications sur le fait que, justement, comment est-ce qu'on arrive à une situation où, comme dans la plupart des services publics de ce pays, on fait souffrir les gens, on fait souffrir l'intérêt général et on n'écoute pas les personnes sur le terrain qui, justement, ont des choses à dire sur ce qui est faisable, quoi, et qui est bon pour... Pour nous, on a bien compris le sujet, c'est la raison d'être de l'ONF. C'est quoi la raison d'être de l'ONF? C'est de devenir, c'est de le transformer pour en faire une espèce de coopérative publique, pseudo-publique, parapublique, privée, entreprise privée, parce que c'est un peu le chemin que ça prend. C'est pour ça que... l'établissement s'attaque régulièrement à toute la culture du service public, hein. Notre vocabulaire, nos mutuelles, notre action sociale,
voilà, on s'attaque, ils s'attaquent à ça. Parce que ça m'intéresse, excuse-moi de te couper. Par exemple, en termes de vocabulaire, qu'est-ce qu'on vous fait Historiquement, tous les gens dans les campagnes appellent le forestier qui est sur le terrain, le garde forestier, qui est sur son triage. Et notre direction n'arrête pas tous les quatre matins, enfin là on en est à trois noms en 20 ans, de rebaptiser le garde forestier. Alors un coup il est agent technique, un coup il est agent patrimonial, un coup il est technicien forestier territorial. Il y a une manière de domination, de toute manière, je change ton nom, tu ne t'appelles plus Mathilde à partir de maintenant. Il y a une forme de domination, mais ça attaque la culture aussi. Ouais. Parce que pour tous les gens sur le terrain, c'est le garde forestier, c'est la culture forestière, c'est l'agent assermenté qui est là, qui protège, qui dit, qui dit ce qu'est le droit, la loi, ce genre de choses. Donc sur toute la sémantique, tout le vocabulaire est attaqué. On est passé au vocabulaire économico-militaire, les objectifs, la cible, tout ce vocabulaire-là qui vient remplacer le vocabulaire de métier. Historique qu'on avait. Voilà, donc pour nous, le sujet, c'est la raison d'être de l'ONF. Nous, on est clair, il doit être un service public avec son originalité qui est d'avoir des fonctionnaires, des ouvriers, dont nous, notre syndicat, revendique que tout le monde soit fonctionnaire, de toute manière, dans un esprit de service public. Donc à partir de là, pour nous, les propositions, c'est que quand même, déjà, on rejoint celle-là, que tous les personnels soient fonctionnaires. En matière d'emploi, le dernier contrat à l'ONF nous avait promis la stabilisation des effectifs. Les effectifs ont continué à baisser comme si l'État n'avait pas mis sa signature nulle part, alors que c'est signé par 6 ou 7 ministres, quand même l'histoire, et que le contrat État-ONF, c'est une disposition du code forestier. On est dans le domaine de la loi. Donc pour nous, aujourd'hui, allons-y sur la loi, puisque le contrat État-ONF, pour nous, les effectifs de l'ONF doivent être sanctuarisés, et on va rester réaliste, on demande la création pour notre syndicat, d'un millier d'emplois à l'ONF, répartis au prorata des catégories de personnel représentées. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se trancher dans la loi. La sanctuarisation des effectifs, peut-être, au bout d'un moment, parce que là, c'est quand même... On parle d'une dérive vers la privatisation, mais on a quand même une dérive de disparition physique, quand même. Quand au bout de 30 ans, tu as perdu 47% de tes effectifs, on est en train de disparaître physiquement quand même. Après, pour nous, il n'y a pas d'autre mot. Et après, il y a quand même l'objet de l'ONF. Pour nous, notre syndicat, donc il y a un problème, c'est de relever de la tutelle du ministère de l'Agriculture avec un statut d'établissement public industriel et commercial. Voilà. Donc sur le statut lui-même industriel et commercial, aujourd'hui, l'ONF est financé en grande partie par les recettes de bois des forêts domaniales. Donc non seulement ça nous envoie par le fond, vu l'historique des cours du bois, c'est-à-dire une tendance structurelle à baisser les cours du bois depuis 30 ans, ce qui amène toujours à supprimer toujours plus de postes, à mettre toujours plus la pression, à dégrader les conditions de travail. Je parlais variable justement la forêt et les personnels. Donc déjà pour nous, l'ONF devrait être un établissement public administratif. Quand on regarde les raisons qui conduisent à se classer dans EPA, établissement public administratif, on a le long terme, on a l'intérêt général, on a le service public, sans aller jusqu'à l'administration, et financé sur le budget de l'État. Il y a des missions confiées par la loi, c'est le code forestier. L'État, c'est tout, il doit les financer à coût complet. L'État a un certain nombre de demandes très précises. On a parlé des missions d'intérêt général, c'est très important. Le RTM, restauration des terrains de montagne, défense des forêts contre l'incendie, fixation des dunes littorales, c'est des problématiques qui ont toujours existé et qui vont être de plus en plus aiguës avec le changement climatique. L'expertise dans ce pays, en matière au moins de RTM et de fixation des dunes, elle est à l'ONF, elle est nulle part ailleurs. L'expertise technique, le savoir-faire. Pour continuer un peu dans ce que tu dis, quand tu dis que c'est des problématiques qui vont encore s'accentuer,
Une des choses qu'on nous dit souvent sur les problématiques liées au changement climatique dans les forêts françaises, c'est que la manière de répondre à ça, c'est justement d'avoir des personnes sur le terrain qui observent finement ce qui se passe. Et donc ça aussi, ça attaque le fait qu'il y ait une perte de pratiquement la moitié des effectifs. Ça attaque aussi notre capacité d'adaptation à ce changement climatique, alors qu'il va devenir de plus en plus aigu, quoi. Oui. C'est là qu'on va se rendre compte qu'on a besoin d'un service public forestier d'une manière différente d'autrefois. À une époque, il fallait empêcher tout bétail de rentrer en forêt parce que ça faisait reculer la forêt. Voilà, le service public, son rôle va changer en fonction des périodes. Mais tant qu'il est là, il protège la forêt, l'intérêt général et le long terme. Donc nous, pour nous, il faudrait être clair sur le statut de l'établissement, le PA, le statut des personnels, tout le monde fonctionnaire, et de la tutelle aussi. Aujourd'hui, il y a quand même dans ce pays un déséquilibre beaucoup trop important entre agriculture et forêt, spatialement, mais aussi dans le lobbying, la structuration, FNSEA. Enfin, on voit bien, le dernier projet de loi de finances, c'est 0,1% des dépenses pour la forêt qui représente 30% du territoire, quoi. Et 400 000 emplois, sa filière. Il y a quand même... Et puis des enjeux, tous les enjeux de ce siècle. Hein. L'eau, le climat, la biodiversité. Mais du coup, la tutelle, elle devrait être... Au ministère de la Transition écologique et solidaire, je veux dire, aujourd'hui, ce que notre société peut attendre de sa forêt, c'est d'abord, encore une fois, de protéger l'eau, d'être l'amortisseur climatique, de protéger, voire d'améliorer la biodiversité, les paysages, la protection des biens et des personnes, l'accueil du public. C'est ça les vraies demandes de notre société. Et tout ça permet en plus une production de bois. Mais par contre, cette production de bois, ce n'est pas elle qui doit tout guider. Et c'est vrai qu'avec le modèle économique actuel, la fonction de production, elle prend le dessus pour tout. Et les autres, elles existent si la production de bois, ça ne la gêne pas trop, voire elle n'existe plus du tout, quoi. C'est quand même les enjeux. Donc passer sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, pour nous, c'est une logique. On y trouve l'Office français pour la biodiversité. Aujourd'hui, le principal acteur en matière de biodiversité dans ce pays, il s'appelle l'ONF, quoi, en matière terrestre. C'est la gestion de 10% du territoire, et on en fait des choses concrètes au quotidien, partout. Donc il y aurait quand même une logique à ça, et il y aurait un affichage très clair, qui correspond, nous, à notre avis, à ce que les besoins des générations futures, c'est les fonctions environnementales et sociales, quand même, les plus importantes pour nous, parce que celles-là sont plus vitales encore que la fonction de production. Et en plus, on a de la chance d'avoir un savoir-faire et des forêts qui se prêtent à concilier les trois, sous condition de revoir un peu la définition de la multifonctionnalité. C'est pas les trois sur un pied d'égalité théorique, et en fait c'est la fonction économique qui prend le dessus sur tout le reste. C'est d'abord satisfaire les deux fonctions environnementales et sociales qui permettent une fonction de production qui sera ce qu'elle sera. De toute manière, avec le réchauffement climatique dans de plus en plus de régions, l'enjeu à l'avenir, c'est pas de savoir ce qu'on va produire, hein. C'est juste de savoir si on va arriver à maintenir un état boisé et les fonctions qui vont avec. Donc s'il y a un besoin, parce que ça tire tout le reste finalement, ça tire l'emploi, les conditions de travail, c'est quand même d'être clair sur la raison d'être de l'ONF. Aujourd'hui, c'est plus clair du tout. Enfin, nous, ce qu'on perçoit, c'est plus une privatisation en cours pour balancer ça au privé. Et puis on n'est pas en train de fantasmer, hein, quand un rapport de mission interministérielle propose de dire on prend 500 000 hectares. C'est 20% des forêts des collectivités. 500 000 hectares, un hectare, c'est un terrain de foot. 500 000 hectares, et vu que ça produit peu ou pas assez de bois, ça ne relèverait plus du régime forestier, donc ça aurait plus à être géré et protégé par l'ONF. Et on dirait à des communes, débrouillez-vous, soit vous vous payez un gestionnaire, et en général, s'il y a peu ou pas de recettes de bois pour des communes rurales, c'est compliqué.
Soit ben, il n'y a plus rien qui s'y fait, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de suivi. Changement climatique, qu'est-ce qui se passe, on n'en sait rien. Et puis des forêts qui produisent peu ou pas de bois, nous on sait où elles se situent. Elles se situent principalement en zone méditerranéenne, en zone de montagne et dans les départements d'outre-mer. C'est-à-dire c'est là où il y a les plus forts enjeux de protection, incendie, protection des biens et des personnes dans les montagnes, protection de la biodiversité et pareil des biens et des personnes dans les dômes. Voilà, donc on n'est pas en train de fantasmer là-dessus. Hein. Aujourd'hui, il y a une recherche d'aligner l'activité de l'ONF sur une activité de société privée. Il n'y a aucun gestionnaire privé qui gère des forêts qui ne produisent pas de bois. Et c'est honorable, on peut le comprendre. De toute manière, ça génère pas de son travail ne pourrait pas être payé, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un service public. Voilà, donc statut des personnels, statut de l'établissement, tutelle. Pour nous, là, il y aurait quand même un corpus capable de ramener vraiment le sens de tout ça, quoi. Parce que là, le sens, il n'y est plus du tout. Hein, plus du tout hein. Par contre, nous revenons sur des effectifs normaux. Oui. Oui, voilà, non, c'était juste pour préciser, on voulait revenir sur... sur les effectifs dont on parlait tout à l'heure avec Philippe et puis vous, c'est en fait nous sur un effectif normal, ce qu'on aimerait évidemment, c'est qu'il y ait un départ en retraite égale une embauche. Ah, une garantie. Voilà, une garantie dans les équipes, chose que maintenant c'est plutôt distillé à travers la France. Et s'il y a besoin, évidemment. Selon la région, selon les équipes. On embauchera, mais c'est sur tout le territoire. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Merci, ça nous donne plein de propositions. Et puis, c'est bien parce que c'est très clair. Tout à l'heure, on parlait du fait que les citoyens et les citoyennes en France ne saisissaient pas forcément ce qui se passait. Je pense que c'est vraiment important. Alors, il y a plein d'actions que mènent... les syndicalistes à l'ONF, bon, je pense à la marche la grande marche qui avait été faite, mais il y a beaucoup d'actions qui sont aussi là pour sensibiliser. Je pense que la commission d'enquête citoyenne, elle contribue aussi à, comme les films, quand le film qui a été fait, Le Temps des Forêts, enfin, tout ça contribue à sensibiliser et à faire qu'il y ait une prise de conscience sur le fait qu'il y a un problème dessus et que c'est des enjeux qui concernent tout le monde et pas seulement les forestiers. Pour moi, c'est clair. On a plein de propositions, donc je vous remercie. Est-ce que vous voulez, sauf si vous avez peut-être quelque chose à rajouter en termes de... Ouais, vas-y, sur des choses qui manqueraient peut-être... Bah, une chose à rajouter, vous l'avez sûrement entendu dans d'autres auditions, mais nous, on tenait à le dire aussi, parce que dans une société, on a très peu de gens qui pensent le très long terme. Très peu, de moins en moins. Vu que tout s'accélère et que même pour les politiques, alors on va dire de manière sans faire de généralité, mais voilà, pour beaucoup de politiques, on sent bien que le long terme, c'est 5 ans, 10 ans. Voilà, donc il y a un besoin dans un pays de gens qui pensent le très long terme. Le corps forestier, il a toujours joué ce rôle-là et c'est quelque chose d'important de parler à 150, à 200 ans. C'est pas avoir une boule de verre, mais c'est d'être dans une autre démarche. Et on est aussi dans une démarche d'analyse du passé, parce que c'est ce qu'on fait. On regarde quelle a été notre gestion, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de voir le résultat de nos travaux quand on repasse dans des parcelles 10, 20 ans plus tard. Et l'importance de garder le savoir-faire aussi. Qui est essentiel. Et nous, notre regard sur le passé, quand même, c'est celui-ci. Jusqu'en 1850, le seul combustible industriel et domestique, c'est le bois. Le charbon n'a commencé qu'à se développer qu'à partir de 1850. Hein, c'est l'ouverture du canal de Saint-Martin entre les mines de charbon du Nord et Paris. Et la forêt était soumise à une pression absolument terrible. Terrible. Le taux de boisement était descendu à 12% hein, il y a 200 ans, quand il est à 28% aujourd'hui. Les forêts étaient coupées dans pas mal d'endroits tous les 8 ans. Ça, c'était... Tous les 8 ans oui, ça ressemblait dans beaucoup d'endroits à une vaste broussaille. Ça fait longtemps que les forêts n'ont pas été aussi belles
Et comme quoi, il ne faut pas toujours idéaliser le passé. Donc, on a connu quand même ce qu'était une société dont la seule énergie vient du bois. Et ça a été absolument terrible pour la forêt. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, c'est que la grande industrie, qui depuis un an et demi se gave d'énergie pas chère, charbon, pétrole, nucléaire, elle est en train de nouveau regarder la forêt. Et elle se rappelle qu'avec du bois, on peut faire de l'électricité, qu'avec du bois, on peut faire du charbon, qu'avec du bois, on peut faire de la chaleur, qu'avec du bois, on pourra faire les substituts du plastique, puisque c'est du carbone. La grande industrie, le grand capital se rappelle tout ça. Et nous, ce qu'on voit quand même depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est ce bois énergie, cette utilisation de la biomasse forestière à des fins énergétiques. Qui devient complètement absurde, dans le sens où aujourd'hui on voit partir des tas de bois qui étaient utilisés, de qualité secondaire, qui étaient utilisés pour faire du bois de structure et qui dans une deuxième vie continuaient à stocker du carbone. Aujourd'hui, il est brûlé pour faire de l'électricité avec des rendements lamentables. Donc ça ne valorise pas déjà, on va dire, ce que produit la forêt. D'un point de vue de la transition écologique, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. On a un matériau fantastique qui stocke du bois vivant et qui peut continuer à stocker du bois dans une deuxième vie. Le brûler, c'est juste... voilà. Et on voit quand même le pays se couvrir de centrales à biomasse, de chaufferies industrielles. Il y en avait quelques centaines au début des années 2000, il y en a 6000 aujourd'hui. Nous, on voit que c'est en train de monter dans nos forêts, on les voit, l'état de plaquettes, ce bois exploité n'importe comment, dans un grand manque de respect de la forêt. Et peut-être plus encore que le changement climatique, le principal danger pour la forêt demain, c'est ça, parce que ça a fait très mal avec une société nettement moins énergivore que la nôtre aujourd'hui. Bien sûr. Et aujourd'hui, la forêt ne peut pas remplacer notre gloutonnerie d'énergie auquel on s'est habitué depuis un siècle et demi. C'est pas possible. Par contre, nous, on sent bien que dans ce monde-là, des grands lobbies financiers et industriels, il n'y a pas de problème à sacrifier la forêt pour se donner un sursis de 20-30 ans à continuer à consommer autant d'énergie. Voilà, donc nous on tenait à alerter là-dessus, c'est essentiel. Oui, c'est très important. Voilà, si je pouvais rajouter quelque chose. C'était juste pour dire. En plus, un renfort de publicité mensongère, hein, parce que vous prenez des contrats Enedis, électricité verte renouvelable, voilà, hein, par rapport à la réalité du charbon qui est déstocké. Moi je voulais rajouter que. On attend aussi des choses de vous, des politiques. Autrement, on ne serait pas là. On serait allé aux champignons. Nous, on considère qu'on a notre place en France, notre rôle à jouer. Au-delà des MIC, des missions d'intérêt général, on a aussi notre rôle de plus grande, je peux l'appeler comme ça, la qualifier comme ça, entreprise de sylviculture européenne. Avec tous nos personnels compétents, que ça soit de droit public ou de droit privé. On a notre maillage régional, territorial, ainsi que dans les DOM, les entrepôts, le matériel, les véhicules. Donc, ça serait vraiment aberrant de tout casser. De tout casser ceci pour repartir dans une logique productive, en sous-traitance, avec je ne sais qui. Voilà. Donc, je pense que rien qu'en considérant d'un point de vue très terre-à-terre, il faut vraiment que vous nous donniez un coup de main pour maintenir et voir nous développer pour qu'on puisse relever les défis écologiques qui arrivent à vitesse grand V. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, donc un grand merci. Et puis, je pense que je peux parler au nom des différents députés de la Commission pour dire que voilà, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on portera et qu'on continuera à porter. Et l'idée voilà, de cette commission d'enquête citoyenne, c'est aussi de faire bouger, d'aider à en parler politiquement, de dire voilà, là, c'est